C'est impeccable ça. Allez, hop, on ramène. Hop, poum. Même pas mal. C'est pas rigolo, on se moque pas déjà. Allez. Et salut les amis, c'est Tonton du 81. On se retrouve aujourd'hui pour une petite partie d'aventure numéro 2 de Fort Boyard et je serai en compagnie de mon petit Loulou. Ça va Loulou? Oui. Bon, allez, on va démarrer l'aventure. Donc, dans le premier épisode, j'avais débloqué, vous voyez, la difficulté difficile et voire héroïque. Maintenant, franchement, c'est assez dur pour les enfants, sachant que Loulou a 5 ans. Donc c'est un petit peu dur, donc aujourd'hui on vous montrera une petite partie à deux, mais en mode facile pour que mon petit chéri arrive à faire quelques aventures. Allez, on va démarrer tout de suite en mode facile, le niveau aventure. Donc on va se mettre en deux joueurs. Je vais choisir mon personnage, et vous le savez, j'ai des lunettes, une barbe, donc je vais choisir ici. Et Loulou, tu veux être qui? Le vert. Le monsieur en vert. Voilà. Vert comme ça? Non, l'autre. L'autre? Celui-là? Non. Ça? Oui. Ah, d'accord. Allez, c'est parti. Ok, bon, donc on est reparti avec le père Fouras, etc. Comme on l'avait vu dans le premier épisode, je vais pas vous refaire la doublure. Si on peut accélérer, on va accélérer. Voilà. Merci Père Fouras, on te remercie beaucoup. C'est parti pour la première aventure. Et c'est moi qui commence. Ok. Alors, le Boyard Rome dépose un ballon. Ah ouais, ok. On avait déjà vu ça dans le premier épisode. Bon, niveau facile, je devrais y arriver sans problème. J'ai réussi. Allez, cours! Donc, je me décale. Voilà, impeccable. C'est validé pour le deuxième. Donc on me dit de rester appuyé sur L2, vous voyez, pour ne pas tomber. On va se décaler encore un peu. Voilà, c'est validé. Donc je reste appuyé sur L2. Et mon personnage ne tombe pas. Et s'il est tombé quand même. Ah ben, ma foi. Allez, dernier, on se décale complètement. On se décale et on appuie. Voilà. Allez, la première est réussie, impeccable. Bon, ça va, franchement, c'est pas trop dur. Ok. Dans le premier épisode, quand on a fait la première vidéo, ouais, c'était trop dur en mode difficile. On n'y arrivait pas. Hein. Là, je pense qu'on va pouvoir montrer aux gens. Safari. Allez, tiens, Loulou. C'est à toi. Donc, tu seras dans la petite voiture. Tu te rappelles? Avancer, reculer, je t'aiderai, t'inquiète pas. Allez, c'est parti. Je t'aiderai. Faut pas s'inquiéter pour ça. Mais il nous entend ton micro? Eh oui, mon chéri. Allez, prépare-toi à accélérer avec ce bouton, à reculer avec ce bouton. Est-ce que tu es prêt? J'aime pas les tigres. Ah bah oui, allez, il faut y aller. On va là-bas. Attends, on va pas rouler sur le tigre. On tourne, voilà. Nickel. On reste accéléré un peu. On va ralentir. Hop, hop, hop. On ralentit. Et on repart en marche arrière. C'est bon, on est plein. On tourne un peu. Vas-y. Voilà. Ok. Allez, on avance. On va vers le vert. Vers le bouton vert là-bas. Vas-y. Amène la voiture au vert. Encore un peu. Voilà. Et maintenant, il faut appuyer plein de fois sur le croix. Plein.
Voilà. Ok. Encore. T'as plus d'eau. Allez, marche arrière. Voilà. Allez, on a du temps. Marche avant. Vas-y. Allez, go. Pédale. Bon, les tigres, ils sont gentils au niveau facile. Oh, les tigres, ils sont trop gentils. Ils nous ont même pas attaqué une seule fois. Ralenti, freine. Oui. Marche arrière. Ah, oh, il arrive. Il va nous attaquer. Non, même pas. Oh, il a peur de nous. C'est quoi ce tigre? Allez, on y va en marche avant. Vite. Allez. Marche avant. Mais je fais marche. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, on a eu un petit souci technique. Pas de panique. 33 secondes, on va y arriver quand même. Ne vous inquiétez pas, messieurs, dames. Un petit coup, on est un peu à côté. Est-ce que ça remplit quand même? Oui, c'est gagné. Félicitations, mon chou. Et oui, on a réussi. Ça va, c'était pas trop dur. Franchement, en niveau facile, les tigres sont absolument pas agressifs. En niveau difficile, on n'a pas fait le héroïque encore, mais en niveau difficile, honnêtement, ils arrêtent pas de vous courir après, de vous bloquer le véhicule. Vous verrez, c'est compliqué. Prochain épisode... pardon. Prochain... Alors, ah pardon, Perforas. Oui, on a réussi Safari. Eh ben oui, on est trop fort. À deux, on est les meilleurs. Pas vraiment, Loulou? Oui. Eh ben oui. Hein. Allez. Troisième mission. On va appeler ça des missions et pas des épisodes. Allez, ok. On peut le faire. Rodéo Dino. Bon, on l'a déjà vu aussi. C'est pas la grave. La prochaine fois, là où je l'ai fait, la dernière fois, j'ai pas réussi. Ah non, c'était super dur. Rodéo Dino, en mode difficile. Mais en fait, vous aviez même pas le guide avec les flèches, effectivement. Donc, il fallait anticiper. Et honnêtement, c'était super, super dur. Voilà, vous voyez, vous avez des flèches, donc pour aller d'un côté, de l'autre, etc. Et donc, on y arrive assez facilement. En mode difficile, vous n'avez pas tout ça. Après, je vous présenterai de toute façon une petite vidéo. Si vous me laissez les commentaires nécessaires, bien entendu. Là, en haut. À gauche, en bas et la croix. Vous voyez, là c'est relativement facile, c'est pas très rapide pour les enfants. Bon voilà, le but du jeu, je vous rappelle, là, c'est des jeux pour les enfants avant tout, donc faut que ça reste raisonnable, mais en mode difficile et héroïque, ça reste quand même franchement assez difficile. Voilà, bon, pas de problème. On a combien de clés? Deux. Je sais plus. T'es sûr qu'on en a pas eu trois? Moi, je crois qu'on en a trois. Ah oui. Allez, je vais passer le relais à mon petit loulou. Donc, comme vous jouez à une manette, pour info, on joue avec une seule manette. Quand je joue, ma manette devient rouge à la couleur de mon personnage. Quand c'est au moment de loulou de jouer, la manette devient verte au niveau du voyant. Allez, tu peux le faire. Allez, tout le monde t'encourage. Ouais. Oh là là, la faucheuse. Ah, tu te rappelles? Tu t'inquiètes pas. Tu te baisses ici, tu sautes ici. Tu peux m'aider? Et là, l'équilibre. Je t'aiderai. Pose la manette et je vais essayer de t'aider. Allez, pose la manette. Pose la manette. C'est qui contre... Moi, je vais garder l'équilibre. Tu... Ah, c'est lui. Oh, Mister Boo. Et voilà, là c'est assez dur, je pense pour les enfants, au niveau coordination, c'est vrai que c'est assez délicat. C'est pas grave, t'inquiète pas, on a déjà trois clés, on va se rattraper à la prochaine épreuve. C'est comme ça, on peut pas toujours gagner. Mais j'y arrive toujours pas celui-là. Mais tu arriveras la prochaine fois, ouais. T'inquiète pas. On peut pas y réussir à chaque fois du premier coup, sinon il n'y a pas d'intérêt non plus. Allez, tout le monde est déçu, mais ça fait partie du jeu. Allez, on est parti avec la caserne. Bon, décidément, c'est que des épreuves qu'on a déjà vues. Je suis désolé. Hein. J'espère qu'il y a quand même d'autres épreuves dans le jeu. J'étais déjà parti. Allez, on va sélectionner celui-là. Oui, attrape-moi-le. Allez.
Et... renverse pas. Voilà, je vais essayer de pas renverser. T'inquiète pas, t'as le temps. Donc, R2L2. Hop là, pas assez fait, assez fort. On sélectionne, on attrape avec la croix. Quand on est dans la jauge pour éviter d'en renverser un maximum, on se décale et on verse. Ok, ça monte pas mal au niveau de la... Oh là, désolé. Oh oui, j'ai pris une belle poire. Je regardais pas en fait. Alors, on va se décaler. Bon, on va essayer de gagner quand même. Oh là là, ça part... Tu vas gagner. Ça part rempli. Oh, 10 secondes, ça... c'est pas sûr. Allez, celui-là. Allez, on en a vraiment besoin. Allez les gars, on en a vraiment besoin. Vas-y Thierry, vas-y verse le saut. Oui, c'est gagné. Oh, de justesse, mille lieux de justesse. Félicitations. On a eu la clé, mais alors, de justesse. Hein. Bravo. Et tout le monde est en furie dans le stade. Que d'émotion. Ah, Père Fouras. Père Fouras et Furas. Oui, 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 le méga gaffe. Décidément, mon chouchou, tu as toutes les épreuves que tu aimes pas. Alors là, tu vas essayer de te concentrer et accélérer tout doucement. Si j'ai un conseil à te donner, c'est d'accélérer tout doucement pour réussir à garder à peu près l'équilibre. Donc accélérateur, tu te rappelles la touche que c'est ? Allez, on est parti. Let's go. On accélère un peu. Pas trop. Faut pas trop rester accéléré sur l'accélérateur. Je crois que le loup, il va encore avoir du mal. Non, je suis passé dans l'interdit. T'es passé dans l'interdit. Eh, papa, il va essayer de t'aider un petit peu. Juste un petit peu. Hein. Regarde, j'accélère tout doucement. Hop. On a deux. Parfait. On va essayer d'attraper la troisième. Allez, viens, marche arrière, marche arrière. Allez, allez, Michel. Ouais. Allez. En avant. Hop, voilà, tranquille, on freine. Et maintenant, tout droit. Voilà. Impeccable. Maintenant, on va frapper la clé. Donc, on se dirige avec léger savoir-faire dans les mains. Et c'est gagné. Ouais, je vous avouerai que je l'ai fait à la place de Loulou. Parce que Loulou a eu une petite entorse du pouce. Et donc, il a fallu que je le remplace. Voilà, l'arbitre a été d'accord. Et on a réussi à avoir notre dernière clé, je pense. C'est parti! Allez. On s'arrête plus, combien de clés va nous falloir là? Allez, donne-toi. Mais c'est à moi en fait. C'est l'épée. Okay. C'est l'épée. Yes. Une épreuve assez sympathique. J'ai déjà fait, ben ouais, j'ai déjà fait cette épreuve en niveau bien plus difficile, donc là, donc on vous rappelle qu'il faut se décaler. Ah, mais il me l'a pas validé, dis donc. Voilà. Finalement. Allez, on est reparti. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Ok, 3. Allez. Droite, gauche, droite, gauche. Ok. Et 55 secondes, 54, 53, ok. J'attaque à 50 secondes pour frapper la corde. Allez, vas-y. Rappelez-vous, j'ai complètement tapé à gauche la dernière fois. Allez. On va continuer, j'avais fait 4 frappes. On va essayer de faire aussi bien. Gagné, en 3 frappes les amis. La précision au bout des doigts. Avec Tonton, vous n'aurez peur de rien. Voilà, j'exagère un peu. Bravo! Félicitations, mec. Ouais, tout le monde est en furie. Sauf le père Fouras qui est Furas. Impressionnant, ils ont réussi Excalibur. Eh oui. Allez, à ciao! La momie, décidément. On a combien d'épreuves à faire, Loulou? Je trouve qu'on en fait beaucoup. Il va falloir que je fasse quoi, que je fasse résoudre une énigme. Alors, pour les enfants, je sais pas si ça va être accessible. Alors, on a 50 secondes. Oh, c'est largement. Sur un canevas étalé, de toutes mes couleurs bariolées, à l'huile ou à l'eau,
avec les doigts ou les pinceaux. Zen, zen. Est-ce que tu as une petite idée ? Sur un canevas étalé de toutes mes couleurs bariolées à l'huile ou à l'eau, avec les doigts ou les pinceaux. Moi, je dirais un tableau. Alors, on va accélérer un peu le temps pour voir jusqu'au bout. Et on va nous proposer quoi ? Peinture, tache, crayon. Eh bien, de la peinture, alors. On va dire... Et c'est gagné ! Bravo, Loulou ! Félicitations ! Bah écoutez, on fait je ne sais combien d'épreuves. Ah, mais on est au niveau des indices. Percute toutes les cibles dans l'ordre en évitant. On l'avait déjà fait aussi. J'avais même pas fait attention en haut à gauche. En fait, vous aviez 3 avec indices. Donc on va directement aux indices. On est tellement fort qu'on va trop vite. Niveau 1. Et c'est parti. Il est là-bas. Ok. Hop, hop. Et je feinte. Ah, il m'a eu quand même, mais c'est pas grave. Ok, marche arrière, de suite. Marche avant. Tu vas aller où? Hop, je contourne. Le 2, ok. Là, je gère à fond. Le 4, il est là. Le 3, il est là. Ok. Ouais, c'est hyper facile, en fait. Là, c'est vraiment niveau enfant. Voilà, gagné. Je vous rappelle qu'après, en niveau plus élevé, vous aurez un petit peu plus de cibles à toucher. Et je pense que aussi l'adversaire sera plus agressif. Voilà, c'était vraiment vraiment facile. La manette devient verte, donc c'est au tour de Loulou. C'est l'heure du conseil. Waouh, alors là, il faut qu'on on va le faire tous les deux celui-là. Avoir de la bonne mémoire. J'ai déjà de la bonne mémoire. Toi, t'as déjà de la bonne mémoire, alors c'est parfait. Encore un peu plus que toi, vu que toi, t'es plus vieux que moi. Ah bah c'est sympa. Merci. Hein. Merci, merci. J'apprécie. Et on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Ok, alors on se concentre bien, Loulou. Joueur 2, appuie sur la croix. On est parti. Concentre-toi bien. Il faut que tu te rappelles de ça. Vert, bleu, tu voudras que je le note moi? Je te le noterai si tu veux. Rappelle-toi des couleurs. Vert, bleu, rouge, vert, rouge, bleu, rouge. Vert, bleu, rouge, vert, rouge, bleu, rouge. Rappelle-toi-en toi. Vert, bleu, rouge, vert, rouge, bleu, rouge. Faut que tu me dises. Non, c'était rouge avant tout à l'heure. Vert, bleu. Rouge, vert. Rouge, vert. Rouge. Bleu. Vert, bleu, rouge. Vert, bleu. Rouge, vert. Non, rouge et vert. De quoi? C'est vert et rouge. Vert et rouge? Oui. Comme ça? On a perdu, mon chéri. On s'est trompé avec le bleu. Il nous reste une épreuve. Allez. Elle est pour nous. Bien sûr qu'on va trouver la solution, hein, pas vrai? Alors, nous arrivons à la salle du trésor. C'est parti. La dernière énigme avec la tête du tigre. J'espère qu'on a assez d'indices. On est prêt. Une brosse. Fin. La langue. Croc. Mais moi j'ai envie de dire les dents. Là on se lave les dents, on a faim avec les dents, on a la langue et les dents, et les crocs c'est les dents. Allez,
Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Kalindra, tête de tigre. Allez, 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 allez. J'espère qu'on s'est pas trompé. Ouais. Alors on va pas se faire avoir cette fois. On va aller directement à notre place. Mais le personnage se bloque encore. Allez, on attrape. Et vite, et vite, et vite. Voilà. Un maximum de pièces au bout. Ok. Plus on va chercher loin, plus la jauge se remplit très vite. On va aller là, voilà. Un petit coup encore, bien au fond. Allez, on peut encore un coup. Allez, voilà, la jauge est pleine, on va chercher. On n'oublie pas de passer au milieu, ça va plus vite. De ne pas rentrer dans les collègues. Voilà. On déverse tout et on y retourne. Notre record est de 9138 boyards. Est-ce qu'on va arriver à faire mieux? Allez, oh là, là là là, tout ça, les amis, regardez. Allez, on va le prendre, tout cet or. Allez, tonton, ramasse tout. Ok, c'est impeccable, ça. Allez, hop, on ramène, hop, poum. Même pas mal. C'est pas rigolo, on se moque pas déjà. Allez. C'est pas bien de se moquer des gens. Oh, aïe, aïe, aïe. Vite, 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 vite. C'est pas rigolo. Allez, quelques pièces, quelques pièces. Allez, allez. Allez, on va ramener ça. Allez, non, c'est bon, c'est bon. Vite, 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 vite. Oh, mais non. Voilà, dommage. Quel suspense, les amis. Je suis enfermé derrière. Allez, espérons qu'on aura battu les 9138. Espérons, espérons. Tu dis combien, toi, Chou? 7054, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est un peu moins, mais bon, c'est pas grave. Le but du jeu est de gagner une certaine somme qu'on remettra, bien sûr, à une association. Voilà, le père Fouras, ben oui, effectivement, il faudra faire des épreuves un petit peu plus difficiles. On a gagné pas mal de choses, et donc vous verrez dans le récap, on a perdu à la double faucheuse. On a perdu en percutant des joueurs 242 boyards. On a eu une pénalité de 3000 boyards parce que le joueur est resté derrière. En fait, on aurait eu 10 000. Donc j'aurais été sage, je serais resté avec mes collègues. On aurait eu 10 054 boyards. J'ai fait une erreur, on le saura pour la prochaine fois. Et les amis, pensez-y aussi. Écoutez, l'aventure va se terminer ici pour aujourd'hui en mode duo. On vous remercie, moi et Loulou, d'avoir regardé notre petite vidéo. Ton impression du jeu, alors tu le trouves comment? Bien. Ouais. C'est un peu dur ou pas? Pas trop, mais dur. C'est pas trop, mais dur quand même. J'espère que ça vous aide beaucoup, hein, Loulou. Vraiment, une analyse vraiment très pointue du jeu. C'est bien, pas trop. Et c'est pas trop dur, mais c'est bien quand même. Mais c'est pas évident. Voilà, bah, j'espère que ça vous aidera beaucoup à faire votre choix. N'hésitez pas donc à télécharger le jeu directement sur le Play Store ou à l'acheter dans des boutiques, donc entre 29,90€ et 39,90€. Merci beaucoup. N'hésitez pas à laisser le beau pouce bleu qui va bien et à vous abonner si c'est pas encore fait. On vous dit à très bientôt. C'était Tonton du 80 et son petit Loulou. À ciao, bye bye. Bye bye. Ok, clique sur ma petite tête bleue là pour t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et pourquoi pas regarder cette vidéo en cliquant sur le grand cadran. À très bientôt, ciao !